Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des défis des filles zen. Dans cette vidéo, je vous propose mon bilan, de vous raconter toute mon aventure de rangement de mon dressing de cette semaine. C'était le défi numéro 14 qui nous a été lancé avec Judith du blog Maman s'organise, que je remercie encore mille fois. Alors, je vous rappelle en deux mots le concept du blog. Je vous lance chaque semaine un défi zen pour apprendre à se détendre, pour voir la vie en rose, pour vivre mieux tout simplement. Et je vous propose en fin de semaine mon bilan de la semaine, voilà, en vidéo et par écrit sur le blog. Si ce n'est pas encore fait, vous cliquez juste ici pour vous abonner sur le blog, c'est complètement gratuit. Alors cette semaine, le défi c'était ranger son dressing, trier ses vêtements. Bon, je vous propose de vous faire un petit bilan en images, je crois que c'est beaucoup plus parlant. Et vous allez voir, le dressing avant et le dressing après, ça n'a plus rien à voir. Voilà, j'espère que ce défi vous a plu, que vous avez adoré le relever. N'oubliez pas de m'envoyer vos photos de dressing avant-après, parce que moi, en ce qui me concerne, ça a été hallucinant. Donc, j'espère que vous aussi, ça vous fait du bien. Moi, très clairement, je me sens beaucoup plus libre, là, de me mettre détachée de toutes ces fringues que je ne mettais plus depuis longtemps. Je pense que ce que je vais mettre va être plus varié. Je vais prendre plus de plaisir, en fait, à m'habiller le matin. Donc, voilà, un grand merci à Judith et à son blog Maman s'organise. Si vous ne le connaissez pas encore, allez vite le voir, parce que c'est vraiment un blog super sympa avec plein d'astuces et de conseils. Voilà, moi ça m'a été hyper utile et je me sens beaucoup mieux maintenant. Donc merci à toi Judith. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker et de partager, de mettre vos petits commentaires juste en dessous. Ça fait toujours vraiment plaisir. Voilà, merci à tous. À très bientôt pour un nouveau défi zen. Bye!